Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une toute petite vidéo pour vous signaler le passage en Snapshot 24W04A. Aujourd'hui, le mercredi 24 janvier 2024. Voilà, alors dans les nouveautés du jour de cette Snapshot, eh bien, on a des petits trucs qui ont à voir avec nos amis les tatous, mes amis les tatous, et donc comme vous pouvez le voir dans mon élevage, il y en a énormément. Alors, cette fonctionnalité, enfin, cette snapshot amène quelques changements au niveau du comportement des tatous, qui s'enroulent, hein, comme on les voit là, ils se mettent en protection. Et donc là maintenant, en fait, il s'enroule dès qu'il détecte une créature ou un joueur qu'il a récemment attaqué. Voilà, c'est une des particularités. Ah mais ça devient dingue ça là, voilà. Qu'est-ce que ça fait ici ça? Hop là. Et voilà. Et ceux-là, ils viendront pas attaquer mes tatous. Ah, lui par contre, il pourrait. Non, il n'y a pas de raison. Voilà, les loups font leur boulot. Alors, je refais un petit tour par ici pour récupérer toutes les écailles. Je les ai nourris tout à l'heure avec des œufs d'araignée. Et la production a été assez monstrueuse, je dois avouer. Voilà, je me retrouve avec un stack pas possible et je crois que je n'ai pas besoin d'autant. Mais il y avait si, un loup ici. Oh, il y en a encore une là. Qui nécessitait ceci. Alors voilà, ça c'est les premières infos que l'on va pouvoir donc visualiser en direct. Ah, me passer par-dessus. Ouais, pas mal. T'es où, t'es où, t'es où? T'es là. Et je me suis fait piquer, mais c'est dingue ça. Hop, c'est collecté. Voilà. Deuxième changement. Et ça concerne ici les blocs de cuivre. Donc quand on va ici tailler les blocs de cuivre, eh bien ça va nous donner 4 grilles pour ces 4 blocs. Voilà. Cela c'est dans ce sens-là. Cela c'est comme ça. Voilà, ça c'est une des petites nouveautés. Et puis une des autres nouveautés, eh bien c'est que potentiellement, le Breeze est désormais agressif envers les golems de fer, en plus de l'être envers nous, les joueurs. Alors, par contre, je trouve ça assez épatant. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un golem de fer? Ah ouais, si on le produit, si on le fabrique nous-mêmes sur place. Mais je me disais, un Breeze pas loin d'un village, ça serait un peu étonnant quand même. Mais effectivement, si on fabrique notre golem et qu'on l'active à proximité du Breeze, ça pourrait jouer. Donc voilà, donc désormais. Oh, toi, tu te fais bien latter la tronche quand même par ici. Désormais, donc le Breeze va attaquer aussi les golems. Le golem ne réagira plus. Et ne ripostera pas aux attaques des squelettes, des vagabonds, enfin on va dire de tous les mobs potentiellement méchants. Et dans le même sens, les mobs ne vont plus réagir à une éventuelle attaque d'un breeze, donc une attaque du vent. Voilà, hop, j'en profite pour remettre d'aplomb tout ce petit monde. Parce qu'il y a du monde. On les voit pas bien, mais oula, lui aussi. Voilà, j'ai rajouté en plus de ce dortoir, il y a ce dortoir. Donc ça, c'est un nouveau dortoir que j'avais commencé. Non, j'avais peut-être pas, vous l'aviez peut-être pas vu dans les derniers épisodes. Il n'y a pas de porte. J'ai pas réussi à mettre une porte ici. Enfin, j'en avais une, mais il restait coincé là-dedans. Et puis le village en lui-même qui. Enfin, on va dire les différents métiers qui se trouvaient par ici, bah, je les ai tous rassemblés là-dedans. Et ah bah génial, un golem à l'intérieur, du n'importe quoi.
Voilà. Et ils sont par ici. Ah bah tiens, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Hop là. Voilà. Autres petits éléments, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, le tatou, oui, prend moins de dégâts quand il est en boule. Bon, et voire même, il est carrément donc complètement résistant aux attaques dites faibles. Hop, et ici, vous pouvez voir que, bah oui, j'ai été faire une petite descente. J'ai été récupérer des diamants. Je me suis fait une belle descente dans les mines plus bas là. Et encore une fois, pas mal de récupération, pas mal d'éléments. Voilà, bah écoutez, c'était les petites nouveautés de la dernière snapshot. Pas grand-chose, j'espère pouvoir trouver un breeze dans cette partie. Pour l'instant, bah, comme vous allez pouvoir le voir avec la dernière vidéo sortie, et puis celle-ci, donc dernière vidéo avec l'alchimie, les potions, suivra une vidéo sur la découverte ou non de quelque chose situé là-bas, hop, dans les eaux chaudes, alors soit là-bas, soit plus loin derrière, là-bas, derrière le désert. Vous verrez ça d'ici la fin de la semaine. Celle-ci, je vais la faire paraître assez rapidement. Une petite vidéo très rapide pour cette nouvelle snapshot. Voilà. Comme j'ai pas eu le temps de vous le dire dans la dernière vidéo que j'ai publiée, et surtout qu'en fait j'avais pas prévu de la faire aussi courte, mais je me suis dit les formats courts ça marche mieux. Donc je vous dis à très bientôt pour la fin de la semaine pour une nouvelle vidéo avec du nouveau dans le village. On va dire principal maintenant, parce que donc le grand village qui est derrière. Voilà, le jour se lève sur le 307e jour de jeu. Je résiste plutôt bien. Et j'espère encore avancer. N'hésitez pas à me proposer des idées d'évolution, d'exploration, de tests éventuels. Comme je vous le dis, là, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher un breeze pour pouvoir le voir en vrai et en action. Et puis cette fois-ci, bon, allez, je me sens un petit peu plus à l'aise, donc potentiellement j'irai bien l'affronter. Voilà, il reste bien d'autres choses à affronter. J'ai encore plein d'autres trucs que j'ai pas été voir, mais le breeze, ça me ferait plaisir. Ça serait un bel élément à aller découvrir. Voilà, et ben je vous dis donc à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!